Hier, fait exactement 9 mois depuis qu'ils ont assassiné le président Jovenel Moïse. Et 7 avril, ça a coïncidé avec la commémoration de la mort Toussaint Louverture. Premier ministre Ariel Henry est sorti, il a déposé Jeff Fleur en papier Toussaint Louverture, etc. Bah, statue. Il a participé dans la journée mondiale santé. Mais le premier ministre Ariel Henry est rentré. L'obéi pété dans la résidence officielle. Est-ce que réellement joue Premier ministre Ariel Henry Conté? Est-ce que dans le moment où on a parlé à la sous-secrétaire d'État américain, département d'État américain, dans le complot avec Akomondana pour le chavirer Ariel Henry? Eh bien, tout le détail ça va prendre le connaître dans un petit moment. Résidence officielle, président Jovenel Moïse, qui s'allie après 9 mois d'assassinat. Comment y a géré? Comment DCPJ a géré? Comment paquet Port-au-Prince a géré? Puisque là, nous n'avons pas un juge sur le dossier, la justice Kaba, instruction dossier. Kaba, c'est qui ça? La caille Jovenel Moïse en tourné. Ou a gagné pour garder tout bagaille dans une vidéo que ou pral une chance pour eux. Et puis, pour nous finir l'émission, comme d'habitude, nous avons un expert en relations internationales, nous, Mark in Love Guerrier, qui lui-même, libral, explique nous, il y a un conflit qui pétait entre les deux Corées. Et tout ça, je dis là, c'est suite avec guerre qui gagne, conflit qui gagne entre la Russie avec l'Ukraine, qui censé piéger monde là, qui censé mettre monde là sous pied de guerre li. Ouais, je dis, c'est affrontement qui gagne. Ouais, je dis, c'est échauffouré qui gagne entre Corée du Sud, Corée du Nord. Donc, c'est qui conséquence ça pral gagner et sous scène internationale là, sous scène politique internationale là, tout détail ça yo, ou pral jouer dans l'espace international. Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue. Ou sous TAC 509, tout haïtien connecté ou dans l'émission. Mon éditorial. Et déjà, je dis, c'est le week-end qui commence. Dès que tu as annoncé nous, je dis, il y a des fanatiques émissions, il y a des amis qui ont des chances pour bénéficier de primes avec nous. C'est deux amis qui ont gagné pour recevoir qui moringa, qui ont des outils, qui ont bonne. Ah oui, mon bras le content. Monsieur, mon bras le content. Madame, mesdames, mon bras le content. Avec un produit moringa. Parce que c'est. Il y a des gens qui ont solution avec problème. Donc, a gagné tous 5 amis qui pral bénéficier minutes, ça c'est 3 plus minutes. Chaque moun a gagné chance de recevoir 10 $ minute sous téléphone, yo, puisque week-end, il faut qu'on carré les timers d'argent, faut qu'on parle avec petit bout là. Et nous pral font petit jouet bien easy en bas live, là, la petite question bien easy. Moun qui répond, yo, m'a notifié, ou une notification et puis ou une primo. N'importe côtoyer sous la tébénia. Donc déjà, on a invité au partager vidéo. Nous parlons pas des pays, nous parlons faire des bateaux. C'est l'heure du débat. Yannick à l'appareil pour analyser et commenter. Tous les jours, à partir de 2h, suivez sur votre channel Mon éditorial avec Yannick. Les grands dossiers seront débattus à l'heure de cette émission. Alors, soyez les bienvenus. C'est vrai, département d'État américain voyait négocier avec le président de transition Fritz Alphonse Jean, avec le premier ministre de transition Steven Benoît, dans le dos premier ministre de facto Ariel Henry. Puisque nous gagnons sous-secrétaire d'État au bureau des affaires de l'hémisphère occidental, Barbara Feinstein, qui était sous sol là. Et pendant madame est rentrée en Haïti, objectif là c'était rencontrer avec Akomondana, c'était rencontrer avec des moun qui dans secteur privé hein, en façon pour yo garder crise politique là, en façon pour yo dresser un panorama pour yo wè qui côté nous yé, qui côté napier, qui côté nous kayé si pas gagné yon entente qui joigne. Eh bien, le premier ministre Ariel Henry apprend que sous-secrétaire d'État l'a rencontré avec Akomondana. Alors que premier ministre Ariel Henry et gouvernement là, yo te voyon note internationale pour yo dit que
tout bagaille a bien marché, yo joine en entente avec accord Montana Pen, yo joine en entente pour stabilité, yo joine en entente pour négociation, yo continue fait. Et puis qui ça yo découvri? Yo découvri tout ça réel Henri Tab di yo, c'est maniguette, c'est bluff. Nous gagnons Leslie Voltaire qui c'est un membre d'accord Montana. Qui lui-même, il gagne position, il prend position par rapport avec Premier ministre Ariel Henry. Il prend position par rapport avec le reste gouvernement, il estime qu'il a fait une fausse, qu'il a fait des déclarations mensongères, qu'il a fait fausse déclaration dans ça qui gagne pour avec un entente qui t'a joint. Avec qui est Ariel Henry joint en tout ça? Dans quel objectif Premier ministre Ariel Henry t'a associé joint en tout ça? C'est toute question ça, moun accord Montana yo a posé. Qui ça crivé? Jodi an la, nous ouais après signature accord 11 septembre, qui gen la dol et gouvernement, qui gen la dol SDP qui dans pouvoir, qui gen fusion, qui gen unité, qui gen vérité, qui gen uniforce, etc. Tout l'autre yo. Nous sentis Ariel Henry li renforcer pouvoir le gagner si nous pas le dire légitimité parce que le fait que nous gagnons opposition radicale là qui n'a pouvoir ça bail ça permet avec Ariel Henry pour lui-même pour le diriger pour lui-même pour prendre toute décision la prendre en toute quiétude avec li fait avec l'appel esprit parce que li pas gagne André Michel qui pral inviter peuple là al kapé de barricade pour barricade tourner à nous li pa gagne fusion k'ap invite population prend la rue li pa gagne unité k'ap lancer manifestation sans arrêter donc tout moun sa yo pendant 4 ans qui t'ap target et qui t'ap créer qui t'ap fait manifestation qui t'ap mettre mobilisation dedans pays qui t'es en face Jovenel Moïse jodi an li préfère boire yel gagne yo nan kan yo comme allié au lieu de ta gagne yo en face li comme adversaire. Parce que nous connaissons la réalité politique là en Haïti. Nous connaissons la réalité. Hein. Mieux vaut avoir de mauvais alliés, mieux vaut avoir de mauvais perdants dans son camp, que gagner la population qui a. C'est comme ça. Parce que nous avons vraiment, si vous avez pris ce pays, vous avez expliqué. Population qui sont douée, ou douée, peuple haïtien en sécurité, ou douée les meilleures conditions de vie, ou douée la santé, ou douée l'éducation, ou douée faire droit le respecter, ou douée garantir la liberté. Rien de trop méchant. C'est ça que peuple demande nous, c'est ça que peuple haïtien exige. Mais le fait que pas gain intérêt, pas gain bonne volonté pour négo résoudre problème pays, pour négo protéger droit peuple haïtien, garantir liberté chaque grain haïtien, yo préférer faire alliance. Yo préférer vendre pays avec un groupe gang politique, yo préférer liquider institution l'état avec un groupe gang politique. Qui yon même yon pa gon merde pou yon fè pou peuple, yon pa gon merde pou yon wè avec masse peuple. Et gen des élus de moun yon parle de masse peuple, ou te nan classe moyenne, nan jodi an nou presque pa gen sacré les classes moyennes, parce que avec kidnapping nan yon fin décapitalise moun yon. Avec kidnapping nan jodi an pa gen question classe moyenne, le yon kidnappe ti, gentil, ti Jacqueline. Maman a travaillé non, papa le son, yon professionnel de la santé par exemple. Nan profession libérale yo moun sa tout si économie yo te gen tout si sa yo te serré sans mande sans compte prêter pour yo payer l'argent rançon pa gen question classe moyenne jodi an nous tout là nous fait partie de masse populaire là gen moun ki mette nan tête yo ki créé un mythe ki créé un barrière pour dou classe populaire c'est moun ka vive la saline c'est moun ka vive cité soleil c'est moun ka vive grand ravine et matissant belek non. C'est pas moun sa qui constitue classe populaire dans le pays. La classe populaire, c'est le peuple. Ou même qui n'a pas de peuple, ou même jodi qui pas ka sorti parce qu'on pas de machine blindée, ou pas de sécurité privée, ou même qui pas ka manger parce qu'on pas ka manger bien, manger, c'est pas manger 10 riz pour chaque jour, ou même qui pas le luxe pour aller contourner les gens vle. Ou fait partie de masse populaire. Là. Donc, il faut résoudre ce problème. Et jodi an la, ou genye sous-secrétaire d'État Barbara Feinstein qui rentre en Haïti, qui chita avec Accord Montana, qui chita avec BSA. La grande question, c'est dans qui objectif? Puisque Ariel Henry dit tout bagay a marché bien, tout bagay correct,
li fait communauté internationale la comprendre que tout bagay correct, mais même communauté internationale ça rien j'ai tout côté. Yo suivi actualité politique là. Même genre Ariel Henry gè groupe blanc pal, BSA gè groupe blanc pal, Montana gè groupe blanc pal. Nèg sa ou ki te nan opposition avec SDP, a yo gen groupe blanc pal, tout a ba information, tout a chèche information pou yo bay. Et pour couronner le tout, qui Daniel Foujodi là qui campait tof derrière et accord Montana. Qui a fait promotion accord Montana. Qui a target qui campait en face premier ministre Ariel Henry, qui a exigé chaque jour démission, qui a exigé chaque jour pour le mettre à la disposition de la justice dans quatre dossiers assassinat président Jovenel Moïse. Donc que voulez le que pas voulez le blanc département d'État américain, là où elle voyait sous secrétaire et hémisphère occidental ou bien sous secrétaire hémisphère régional, etc. Ça c'est le faux espoir que vous venez devant nous, comprenant que Guillaume Antoine qui va joindre, comprenant que il a fait les moyens de pression sur Ariel Henry. Puisque dès le départ, yo te konnen mete Ariel Henry, li t'a pral déjà créé des tumultes politiques, li t'a pral créé gros vent, t'a pral gen tempête politique dans le pays. Parce que qui s'acrive? Je dis à la majorité nèg sa ouè qui fait partie de l'accord 11 septembre avec Ariel Henry. Qui ça te dit? Le Jovenel te choisi Ariel. Avant même yo te vin tombe pour yo douce matelik choisi Ariel, yo te douce barbecue que te propose Ariel. Bah quoi n'oublie? Jodi an même nèg sa ou l'op ray bon surprise Bozil qui nan fusion. Qui tap dou, qui tap fait promotion, tap dou côté que tap fait propagande, tap utilise la fausse modestie. Yo moutro, yo se femme vertueuse, y a fait politique, y a fait politique pour peuple, yo respecte principe, etc. Et puis en bas tablan, y a taye ze boba pyo. En bas tablan, c'est même moun sa yo, kap retire manje nan assiette ou sous tablan, kap pre, kap mette nan sachet, kap mette nan poche yo pour yo aller, pour yo aller bien vivre avec famille, avec petit yo, avec mari, avec toute corration. Jodi en vérité, c'est qui s'allie. Même nèg sa yo kap bat bravo pour Ariel. Même monsieur dame sa yo qui chita sous table avec matériel, ap négocier poste, ap négocier ministère, ap négocier institution, directeur général, etc. C'est même yo même qui te douce barbecue. Alors que jodi yo, yo pas de courage pour yo répondre côté yo te jeune formation sa pour yo te douce barbecue que te choisi Ariel Henry. Donc c'est pour comprendre bruit de couloir ça yo. Le nèg yo a utilisé, il a fait yo fait rumeur circuler. Le a utilisé moyen yo gen à la disposition yo, moun yo gen à la disposition yo pour faire propagande passer en façon pour yo toujours déstabiliser, en façon pour yo toujours créer instabilité en dedans pays. Puis devant leur non pouvoir yo niel complètement. Yo niel complètement. Jodi an pou wè, même Edmond, même André Michel, même Nenel Kassi, c'est moun sa ou ki kampe comme défenseur ardent pour Ariel Henry. C'est même moun sa ou ki dou, yo pa vle pouvoir bicaméral, yo pa vle exécutif à deux têtes. C'est Ariel Henry, rien que Ariel Henry. Alors que yo dou y a fait promotion constitution, y a fait promotion valeur, etc. etc. Mais pour qui sa bonne question par exemple poser par rapport avec et pour combien de temps Ariel Henry là? Qui l'a Ariel Henry a organisé l'élection? Qui l'a bon CEP? Pour qui sa exécutif la influence sur judiciaire là? Donc bonne question ça ou nèg sa ou qui nan coalition encore en septembre, comme j'en pose parce que ça ou c'est des questions, des interrogations qui n'ont intérêt peuple là. C'est des interrogations qui n'ont intérêt population haïtienne non. Donc li pi bon pour yo pour toujours sous pouvoir pour yo bien manger pour yo bien passer et puis ou même qui te mêlé yo avec oh ça pas mêlé yo ça pas garder yo. Donc maintenant Ariel Henry li te fait connait que li monter en commission ça y a gagné et pour yo négocier y a gagné pour yo garder comment yo ka gérer et problème qui gagné entre Montana et lui-même. Mais est-ce que j'en dis ou ka monter en commission pour négocier alors que avec moun wap négocier ou choisir monter commission unilatérale? Acteur politique qui nan problème avec ou yo, c'est ou même encore qu'on choisit moun nou mette dans commission yo pa konnen rien. Commission ça pour qui soit monté. Mou nous choisi mettre dans commission ça yo. Nan intérêt qui est à pied? Et ben nan intérêt ou? Imagine ou pas ka manger. Ou pas ka manger et ou konn ki problème ou gen? Ou konn ki problème ou gen? Ou konn ki problème petit ou ki soit ka manger, ki soit pas ka manger? Et puis moun ki empêche ou manger, li anik vinil dou choisi trois moun ki pral résoudre problème pas ka manger là. Sa yo pas consulto, yo pas vin dou ah et yan ndo pas ka manger.
Mais qui problème ou gen? Qui ça faut pas ka manger? Est-ce que c'est appétit ou pas gen? Est-ce que c'est malade ou malade? Est-ce que c'est sorgue ou pas ka manger? Est-ce que c'est ou allergie avec sorgue la ka ou manger? Comme si véritable problème yo pas jamais posé vraiment. Véritable problème pays yon pas jamais posé que ce soit dans ça qui gen pour avec problème politique, que ce soit dans ça qui gen pour avec problème insécurité, vrai problème yon pas jamais posé et c'est ça qui fait solution yon pas jamais ka joine. C'est pas expert nous pas gagner, c'est pas bonne volonté gen moun qui pas gagner. Non mi tant tout cran ça yo, non mi tant tout gang ça yo, gen moun qui gen bonne volonté. Maintenant c'est rivé séparé. C'est rivé séparé bon grain non de ratio de paillan. C'est ça. On y a nous comprendre. Maintenant, ou senti Ariel bon marché pressé parce que matin on t'a tendé Edmond Supplice Bozil qui t'a participé et qui t'a participé dans l'émission puisque nous connaît li utiliser tête li comme porte-parole pour Ariel Henry. Li utiliser tête li comme défenseur Ariel Henry. Et ou senti que gouvernement Ariel Henry a bon marché pressé qui prend yo pour yo chita avec Montana parce que le sous-secrétaire d'État allé liquider des motifs pour Ariel. Et c'est une des raisons qui fait Ariel fait tout vos et pieds ça, tout fâché ça, tout collé ça, entendez, parce que Ariel estime, réunion faite, il t'a supposé que des représentants qui ont même là avec Moun Montana pour connaître effectivement qui ça dit, qui ça pas dit, etc. Mais on connaît, n'est-ce tout de tout côté. N'ayez tout et tout côté cap chercher information pour yo, cap bailler information sur ça passé, sur ça dit entre Montana avec sous-secrétaire d'État, puisque on connaît Kenneth Merton lui-même n'était pas participé dans réunion. Ah oui, Kenneth Merton était là. Depuis Kenneth Merton était là et Madeli va pas connait qui ça te dit non. Il va pas connait puisque c'est Kenneth Merton ça c'est lui-même qui toujours là en fort pour Madeli, il est toujours là pour défendre, c'est lui toujours là pour prendre position. Donc je dis que c'est un vrai allié pour Madeli, que son faux allié pour Haïtien. Faut nous connait vérité. Faut nous connait vérité. Donc il est imposé au premier ministre Ariel Henry le plus rapidement possible faut bon commission qui monte et pas commission Champouel Ariel monte mais au commission côté que des représentants et Montana, a bien représentant et président Fritz Alphonse Jean, a bien représentant et Steven Benoît comme premier ministre, a bien mon BSA pour chita pour dialoguer tout bon pour sortir avec une décision finale. Imaginons quelques secondes si décision finale ça va prendre. Parce qu'on voit tout le temps Ariel Henry a boudé et rencontré. Donc on y a eu la guerre, il y a la guerre, et c'est ça qui frustre Ariel le plus. Yeah! Toute colère Ariel vers mon de gabon c'est parce que songe et assassinat président Jovenel Moïse. On mon de gabon c'est ça et pourtant. Bon, on te parle nous de nous pral gagner pour nous garder en image. Nous pral gagner pour nous garder en image 9 mois après c'est comment la caille président Jovenel Moïse dans pèlerin 5 comment lié. Est-ce que il y a policier qui veille caille là? Est-ce que cortège présidentiel là toujours là? Est-ce que vous quittez Kailan comme une maison abandonnée? Est-ce que toujours gagné sélect posé sous Kailan? Parce que récemment, nous avons gagné information côté que vous avez monté prix Kailan. Vous avez monté prix Kailan parce que nous avons un ici Kaize musicien. Donc, si vous avez Kaili, Kailan rete, Kailan rete, il pas loué, pas de activité là-dedans. Donc, c'est rentré lié, faut que vous demandez comme. Mais pour quantité l'argent, vous avez demandé là, c'est pas tête chargé. Eh bien, là, nous allons regarder qui ça a passé. Nous allons regarder ensemble pour nous. Voilà. Là, nous allons regarder Kaye président Jovenel Moïse. Côté le terrete, le te président. Et côté ou assassiné le tout pendant le président. Ou bien nous avons une situation à dire tout. Mais, jusqu'au de président a arrêté là. Parce que tout kaye a un plan. Et da, président Jovenel Moïse, en tant que chef d'État, c'est sûr que il n'y a pas de deal pour arrêter dans le pèlerin 5 comme ça. Sans que pas de gagner des points de sortie, sans que pas de gagner stratégie. Sous façon si gon urgence comment y a courir à président comment y a courir avec famille présidentielle là on vient dire tout et
Jean-président Jovenel Moïse mourir, l'a toujours suscité en pile question. Et réponse yo, si c'est pas un tueur yo, si c'est pas un monde qui participe à l'assassinat, dans le complot, pour yo ta mari, ta koukrab, qui pour ta mine dit, mais côté yo jeune plan kaye président, mais qui ça fait policier yo pas de sortir à président, mais qui ça fait président pas de prendre risque de li même pour sauver la ville, ou, question ça va, mais non pas qu'être l'autre question. Ça quand même, mais non penser, est-ce que réellement président c'est la kaye li yo te assassiné? Ça quand même permet de poser cette question, est-ce que c'est pas déposé ou t'es venu déposer président? Parce que, quand il n'y a pas de seul entrée, quand il n'y a pas de seul entrée, on se dit, quand il y a un monde, et pas quand on président, mes amis. C'est pas quand on président t'es arrêté pour t'as dit qu'on seul entrée, on seul sorti, pas on porte pour président chapé pour lui, pas on sorti de secours, non! Et secours de sorti, elle pas quand même devant quand elle encore. Donc, question ça, il faut qu'on pose tête, pour comprendre. Qui ça qui fait 9 mois après assassinat président Jovenel Moïse? Pas jamais rien fait, pas jamais aucune avancée qui fait sur le dossier. Pas bon côté juge instruction. Dossier, son dossier qui censé classer lié. Pas bon, ou pas qui juge instruction sur le dossier là, c'est vrai qu'on juge désigné, mais par rapport à l'exigence que ou t'es apprendre de que Merlin Belab t'es fait CSPJ, ou CSPJ la gépiel. Si SPJ pas kabaye, yo pas répondre pour yo payer le million de goud chaque mois, yo pas répondre pour yo bay 100,008 poche yo visa. Donc, ça pas relevé de compétence. Yo lage pied yo. Donc, ou même, c'est comment comprendre dossier assassinat président 9 mois après? Est-ce qu'on pense 9 mois ça yo? T'es bon travail, t'es bon avance significatif qui fait sous dossier. Est-ce qu'on est Jovenel Moïse est sous route pour jeune justice réellement? Est-ce qu'on est président Jovenel sur route pour joindre justice, pour peuple haïtien joindre justice par rapport à exact malhonnête sa cruauté que nèg yo fait sous le 7 juillet passé? Est-ce que nous sous bonne voie? Rele écrit pour ba opinion. Pour dire comment comprendre l'assassinat président, qui évolution qui est. Est-ce que le dossier arrêté dans les mort, est-ce que pas rien qui pral fait qui café et qui ou espérer qu'a bien pour faire dans dossier? Parce que moi-même j'ai position par rapport avec assassinat président. 9 mois après me comprendre réalité politique qui influencé et sous pouvoir judiciaire là. Me comprendre réalité politique qui kembe dossier en gorge. Me comprendre réalité politique qui est sous terrain là qui fait. Ou est tout moun yo accusé yo, c'est non même quand yo ye. Tout moun yo accusé yo, c'est moun ki nan politique. Qui intérêt moun sa yo gen jodi an la? Qui intérêt yo gen? M'am gade de série de moun et ancien opposant Farouk Jovenel Moïse, kap dou ke, en tant que président de la République, ok, Jovenel Moïse assassiné, yo regrette sa passé. Hein? Yo pas de jamb considéré Jovenel comme un ennemi, mais yo te considéré Jovenel comme un adversaire politique Farouk. Mais écoute, là, nous prenons tout le temps nous, pour nous détruire au monde. Nous détruire l'image au monde. Nous détruire le travail au monde. Nous détruire l'idéologie qui vient par rapport avec. Ce n'est pas dans l'intérêt du peuple, non? Par rapport avec l'idéologie, nous gagnons l'opposition politique. Là. Nous crasons tout le bagaille. Et puis, je dis, ce n'est pas un ennemi. C'est qui ça le déroule encore pour nous? C'est qui ça, Jovenel Moïse, pour Sublice Bozil, Edmond Sublice Bozil, qui dit, il n'est pas trop Jovenel comme un ennemi, mais comme un adversaire politique. Un adversaire politique, vous ne pouvez pas voir le peuple qui a boulé caoutchouc, qui a fait manifestation pour aller prendre tout vivant, non? Pour aller mettre caoutchouc dans la tête, non? Adversaire politique, c'est bataille politique qui a fait. Adversaire politique, pas vrai militant politique, al monte la kaye président, al boule kaoutchou. Al monte la kaye président, al di yo pre kaoutchou maintenant tête président. Non, adversaire politique, pas influencer groupe militant kavel pour yon faire cocktail molotov, pour yon voye sous cortège président. Non, yon pas fait ça. Moun kap di jodi en 9 mois après assassinat président, yon te considéré comme adversaire politique et non un ennemi. C'est pas vrai du tout. Ça c'est ruse. Nous ne pas qu'être nègre qui fait politique, c'est risieux, c'est risieux. C'est comme ça, c'est son vérité, son fait absolu. Qui ça? Bon, dis-nous exactement ce qui a passé là. Après l'assassinat du président Jovenel Moïse, où tu as gagné et où tu as gagné un journal colombien, Noticias Caracol, qui dit
qui d'où est ancien premier ministre Claude Joseph, ligué pour avec assassinat président, il était Colombie, il était fait. Il était même dû avoir une photo côté que il était chita avec Colombien. Jusqu'à date, photo pas jamais bail. Ou bien senti quelque part, à chaque situation, à chaque étape, bon timing dans le dossier Jovenel Moïse, il vient avec nouveau suspect. Maintenant, c'est pour chercher qu'on est qui est capable d'alimenter scène politique là, qui est capable d'alimenter opinion publique là avec nouveau suspect ça. OK, pas de problème, yo détourné au de Claude Joseph, yo tombé sur Ariel Henry. OK, RNDDH junior avec preuve ou gagne commissaire Benson Claude qui vini a qui mandé Gisèle relever appel téléphonique, yo joine Ariel qu'on parler avec Badjo Félix. Jusqu'à date pendant que tout bagaille ça yo, toute accusation ça yo, ou pourquoi j'aime jeune juge d'instruction qui relè Ariel, qui questionne Ariel. Mais est-ce que c'est simplement des accusations ou bien est-ce que c'est des faits avérés? Oui. Ça son juge d'instruction qui parle déterminer. Son juge d'instruction qui parle dire OK, nous parler, on parler avec Ariel, nous parler. Mais combien fois nous parler? Mais combien fois Badjo te relè? Mais combien fois te relè Badjo? Ça c'est des faits avérés. Oui. Choisi inculpé. Est-ce que nous ouais ou pas voilà? Est-ce que nous ouais on sorti bon issue pour ta dou yo pral tande Ariel Henry, yo pral inculpé Ariel Henry par rapport avec le rapport téléphonique? Est-ce que des choses pour inculpé Ariel Henry le joine relevé appel téléphonique digital côté que te parle avec Badjo? Kounya récemment là ou RNDDH Pierre Espérance yo sorti de Ariel Henry. Yo tombé sur Martine avec Badjo côté que Badjo c'était chauffeur Martine Moïse, Badjo qu'on mené Martine Kaboko, yo même allé au dou que Badjo gen moun ki même dou Badjo c'est cousin Martine Moïse. Donc on senti quelque part. Baga la sorti sous dos, OK, yo dressé tableau. C'était trois groupes. T'es gen auteur intellectuel, t'es gen commanditaire yo avant n'a mettre auteur intellectuel parce que c'est eux même qui gen l'argent. C'est moun ki gen c'est t'as toujours dans des principes là. Qui finance comment? C'est moun qui gagne l'argent pour dépenser. C'est eux-mêmes qui fait kidnapping. C'est eux-mêmes qui fait crime. C'est eux-mêmes qui fait complot. C'est eux-mêmes qui mettait. C'est eux-mêmes qui mettait la République côté nier là avec Jovenel Moïse. Parce que si vous gagne l'argent pour financer crime, pour financer assassinat, pour faire Colombien rentrer, pour payer Colombien pour acheter des armes, nous pensons que les crimes sont privés fait. Ni pas la même fait. Donc, comment dit c'est principal moun jodi pour yon chercher. Cherchez l'argent, suivez l'argent, vous avez besoin de tout le Jovenel Moïse. Maintenant, comment dit-elle, vous avez un auteur intellectuel, ou avez un exécuteur. Dans quelle catégorie vous mettez Ariel Henry? Puisque je dis, ou jouez RNDDH Kabdou que Badjo Félix, c'est sûrement pas jeune Pierre Espérance qui va jouer un rapport très prochainement. Qui dou Badjo Félix, li kon conduit pour Martine. Qui dou Badjo Félix, c'est cousin Martine ou l'autre bord. Qui dou Badjo Félix, c'est une très bonne relation à Martine. Yo, li kon al kabou quoi avec le Kaouga, etc. Donc là, on dit tout. Très bientôt, on va chercher, on va catégoriser Martine. On va catégoriser Martine. Et lui même, d'où Pierre Espérance, d'où s'il te juge d'instruction, t'as marre Martine, t'as crabe. Il a marré Martine parce que lui estimait que Martine a complicité dans sa passé Jovenel Moïse. Mais on toujours dit ça. Gobala m'a toujours dit nous aujourd'hui, et m'a prédit nous aujourd'hui encore. Nous trouvons nous en situation avec assassinat président Jovenel Moïse côté que il y a un groupe monde qui a alimenté information en dedans pays. Et par rapport avec moun ki participe nan touye Jovenel, ou vin jwenn se même, c'est comme si son seul groupe moun. C'est pas question de groupe moun. Parce que des fois qu'on a dit nèg ki nan opposition, l pa liye pouvoir menti. La journée a bataille, la journée c'est hing hang, mais le soir, lè yo rencontre ensemble, lè a planifié complot contre pays, contre nation, ou pa konnen. Ou nan dormi. Ou ap dormi la kayou, ou bien nan travail, ou pa konnen bagay sa yo. C'est dit pour yo dou. Jodi a parlé de Michel Martelly comme parrain moun ki livre Jovenel Moïse. Mais pour pas que moun nan pouvoir Jovenel Moïse qui c'est des Jovenel jodi a. On garde position par rapport avec Martelly, on garde qui est yo téye pour Martelly, on garde fonction ta occupé a, qui est ce qui te mette là, qui est ce qui te mette là dedans. Pour pas que acteur jodi a sous scène politique là là qui a utilisé cadavre président Jovenel Moïse pour faire comprendre que il a cherché justice, il a demandé justice alors que en pile là c'est capital politique qui a fait.
C'est pas une question de justice vraiment pour Jovenel Moïse, mais en passant, relation avec Michel Martelly, relation avec Martelly, il pas changé. Il pas changé yon yota. Moun sa ou fè ou ta ge courage pou yo dou, yo te nan tel poste, yo te nan tel poste ministériel. C'est sous demande Martelly, c'est Martelly qui te mette yo, c'est Martelly qui te choisi pour yo. Donc ou pral di m, je dis en loyauté envers qui est-ce bien allé, envers défunt Jovenel Moïse ou bien envers Michel Joseph Martelly. Donc politique qui a fait à terre là, son politique coquin lié. Ou même, yo joue sous émotion. Et pour y arriver bon sou, fok yo jwenn nou peuple naïf, fok yo jwenn nou peuple qui laisse yo guide par émotion yo, qui prend information n'importe qui j'en vaille gevaille, qui pas chercher analyser information yo, analyser comportement moun yo avant tout pour yo comprendre est-ce que réellement c'est bataille pays qu'a fait ou bien bataille de clan, bataille clanique qu'a fait. Te seri de moun jodi an la kap bat bouchou matin midi soir justice président Jovenel Moïse ça va prêter comme ça, mais combien fois ou indexé directement Martelly, combien fois ou indexé directement clan bandi légal yo Jean paquet pas fait là prend Rosemont Jean lui même ça l'Abdoul son comment on dit ba là et son grand bouchier. Son bon monsieur, ça l'a dit, li dou li fini. Rele le tribunal, pa rele le tribunal, ça fait qui gado. Li dou, et Martelly parrain, ni dou se clan PHTK, se clan bandi légal, yo le fini. Mais la série de l'autre nègre qui a proposé, yo, pour les besoins de l'enquête, m'a dit rien. Non, la justice pas permettre, moi. Le doute profite à l'accusé. Ou pas faire bataille pour justice pour Jovenel Moïse, pas venir intimider, pas venir faire mon perdre du temps, yo. Pas vin masturber l'esprit moun yo. Pas vin vendre moun ki yo paye. 9 mois après assassinat président, nous besoin moun vraiment ka fè bataille pour justice. Justice pour payan. OK, c'est ça nous besoin. On nous prend tipose, on a prend tipose moringa et puis kou monte là, c'est cadeau yo pral bay, c'est prime yo pral bay, on a. Mais c'est nous-mêmes qui avons fait Bekate, Zesof Moringa pour tes solutions pour nous. Gains outils si on peut mal qui permettent d'allonger peine ou balle longue ou vle pour mon ouvle. Gains bandes si on comprimé qui permettent de gain bon gens en dirant sexuel. Wow! Pour plus d'informations, relève dans 514-886-9776. Ou bien, visitez le site là, www.zesofmoringa.com. Depuis les m'a utilisé pour mat gen zouti à comprimer gen bon, mesdames, yo c'est mariage seulement y'a demandé. On nous joue pour nous gagner, yeah, nous allons gagner. On a, je vais poser une petite question bien facile, bien easy, et c'est sûr là, je connais que je vais faire 7 gagnants. Et 7 gagnants, oh, 7 gagnants, oh, on m'a commémoré en date tout là. 7 gagnants. Ma fait 2 gagnants dans produit Zesof Moringa yo. Et puis n'a fait 2 gagnants, n'a fait 5 gagnants avec plus minute. 5 moun pral gagner chance, chaque grain moun sa yo pral gagner $10 minute sur téléphone. Yo peux souvle tout en mon cash, souvle dans mon cash, on dit ah Yannick pas bon minute ban mon cash pour m'a transférer le pour directement. Et mes amis de grâce, moun ki gagne Moringa yo, le qui trouve une joie nous va font une vidéo pour montrer que recevoir kit là ça est extrêmement important. Hier 7 avril là nous t'a commémoré deux dates. Deux chefs d'État ont été assassinés ou bien qui étaient morts dans date ça. Premièrement, on dit c'est qui est sûr et on dit ça fait combien l'année. Combien de temps depuis yo assassiné ou bien depuis yo mouri? Que vous voulez, que vous pas voulez, c'est assassiné ou assassiné. Donc, deux moun sa yo ap di ki est tué et puis ap di combien de temps yo gagné depuis yo assassiné. Pour moun ki, deux premiers moun qui répond yo, y a gen chance pour yo bénéficier produit Moringa. Yo ap gen zouti, yo gen bon, yo ap gen ki tout ka vin joine nou. Et puis, 5 moun qui répondent après yo, c'est moun sa yo kap genye chance pour yo bénéficier chaque grain moun $10 minute. Donc, déjà là, rapide, vite, commencez chauffer en bas live là, mettez réponse pour ka genye primo. Ma notifio que yo genye,
Et puis, j'en ai rapide, vite, minute sous téléphone, ou bien mon cachou, j'en apprends là. Et puis, produit moringa, ou à venir joindre nous, la caillou. Est-ce que nous avons fait rosé? Nous avons fait rosé avant. Donc, là, nous allons passer avec espace international. L'homme t'a déjà dit nous ça. Conflit qui gagne par bon côté la Russie avec pays Ukraine, non? Livre secoué monde là, bouleversé monde là. Nous te attendons, nous te bon paquet expert, un paquet scientifique, un paquet spécialiste de droit international, de relations internationales ou bien de géopolitique, qui ont même yon te get envisagé par rapport avec troupes, par rapport avec conflit qui oppose la Russie avec Ukraine, qui a débouché son troisième guerre mondiale, si et seulement si l'OTAN te choisi fourré pied là dedans. Mais nous, autant, pays autant choisi aurait été sous ligne. Ça n'a pas empêché que le conflit ça li genere trouble à travers le pays. Jodi an la, nous avons deux Coréens qui face à face. Et là, nous parlons de Corée du Nord, nous parlons de Corée du Sud. Nous connaissons Kim Jong-un pas jouer. Nous connaissons Kim Jong-un pas jouer. Donc là, nous allons joindre tout détail, toutes les informations avec guerrier Mark and Love Glorkens. Donc, m'invite à rester attentif, rester connecté pour qu'on ait pour comprendre ce qui a passé sous scène internationale. Bonsoir Annick, bonsoir tout le monde. Son plaisir pour que nous capables là pour nous porter rubrique espace international là. C'est Mark and Love Glorkens, coordonnateur jeune acteur pour les changements, licencié en diplomatie et relations internationales. Scène internationale là toujours mouvementé par plusieurs conflits qui gagnent la dernière. Non seulement surtout ça qui opposait la Russie face à l'Ukraine, mais je dis à nous essayer faire transition hein, pour que nous capables parler de évolution qui gagne relation qui existait entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Pour nous comprendre ça qui gagne vraiment, ça qui a passé sous la scène internationale, là, j'aimerais me faire nous affronter un petit bac pour que nous soyons capables de garder dans l'histoire comment ça a été. Le 22 août 1910, c'était annexion de la Corée par le Japon. Côté que le Japon, lui-même, il a mis un système de protectorat depuis 1905 en Corée. Les Sahara qui étaient constitués d'un seul Corée qui était ni le Sud ni le Nord, fait partie d'un seul pays. Mais traité qui pourrait mettre fin ça avec dynastie. Jaosonnan et qui parlait de domination japonaise surtout qui impitoyable sur la Corée et pendant période ça tout est venu en pile résistance qui était commencé à faire Corée qui est face à domination japonaise avec évolution qui vient gagner pendant système protectorat a été imposé sous Corée japonais même ils ont commencé ils ont utilisé des stratégies pour permettre que ils étaient capables d'implanter des industries qui liées avec agriculture qui capable bénéfique pour savoir-faire japonais également main d'œuvre que ils ont trouvé sous place qui était à bon marché permettre que ils étaient capables de continuer installer un système tyrannique qui pourrait prendre fin jusqu'en 1945 après la défaite du Japon face aux Américains le 15 août 1945 48, la proclamation de l'indépendance de la République de Corée. Après que toute occupation japonaise en fin passé, il y a plusieurs tentatives de pour que les Japonais soient capables de retourner pour prendre, pour occuper Corée du et la Corée en fait est venue opposer avec surtout alliés que l'ité gagné dans la région. Mais suite avec opposition qui vient gagner par deux blocs, la Russie et les États-Unis continuent géopolitiquement à faire influence en région 1 pour être capable d'étendre le territoire et défendre l'intérêt qu'ils ont gagné en termes de géostratégie. Donc, ça pourrait permettre que le 15 août 1948, la Corée du Sud, lui-même soutenue par les États-Unis, déclarait indépendance et proclamait République de Corée, fixant comme capitale Séoul. Et Corée du Nord, par opposition, soutenue par l'URSS et devient alors la République populaire démocratique de Corée, qui appuyé surtout par l'idée du communiste. Et la capitale, les fixés qui c'est Pyongyang, viennent commencer déjà à gagner des tensions qui augmentaient surtout à partir des années 1950, côté que guerre coréenne lui-même les vient éclater, soit le 25 juin 1950. Guerre coréenne a commencé côté que parti nord et communiste envahit la Corée du Sud pour occidental le 25 juin 1950 et côté et Conseil de sécurité l'ONU lui-même les convoqué par Harry Truman qui c'est président des États-Unis dans l'époque là et qui pour
profité de l'absence de l'URSS te gagner dans la question du Conseil de sécurité de l'ONU, côté qu'elle choisit général Douglas MacArthur pour reprendre le territoire sud envahi par la Corée du Nord. Depuis lors, il y a une opposition qui gagne entre le sud et le nord, et la guerre coréenne lui-même l'a duré de 1950 à 1953, qui fait des millions de morts. Et 28 septembre 1950, l'ONU reprend totalement Séoul et la partie sud de la Corée. En fait, après que gagne plusieurs tentatives pour que capable de négocier sous question one, pour capable définir une délimitation frontalière entre deux parties, yo, toujours gagne tentative soit à bon côté Corée du Nord pour capable envahir Corée du Sud. Avec plusieurs surtout médiations qui fait, yo essayé joindre une négociation pour éviter toutes deux parties yo posséder armes nucléaires, l'en considérer capacité ou bien importance armes à gagner non seulement pour monde là. De 10 juillet 1950, négociations ont commencé entamées entre la Corée du Nord, la Chine et Nations Unies qui permettent que pour capable négocier une situation de paix et à Kaohsiung, mais conditions toujours présenter des controverses soit par rapport à la position chaque parti gagné sous question. Et côté que vingt plusieurs évolutions qui fait et vingt des volontaires chinois qui interviennent spécialement en Corée pour capable porter assistance, côté que l'ONU également envoyé des troupes et la Chine, la Russie que chaque la prend position yo sous question. Belligérants eux-mêmes yo utilisé vraiment chaque parti yo pour capable défendre intérêt qui yo gagné. Mais situation qui était gagné Pyongyang lui-même il gagne habitude que côté que il a développé armes nucléaires côté que qui présenté comme une menace pour l'Occident yo et surtout l'ONU lui-même lui condamné tentative que Corée du Nord a essayé fait surtout à plusieurs fois les que il a essayé et déclencher missile yo et Japon lui-même qui a une tendance que lui peur le fait que lui-même il était gagné une relation qui pas totalement bien marché entre lui-même ensemble avec Corée lui maintenant tête lui n'importe quel moment que yo même yo capable riposter avec et missiles que capable tirer tout et négociation ont continué surtout en 2017 côté que tu as gagné plusieurs tentatives surtout ensemble avec les États-Unis bon côté Corée du Nord eux-mêmes ont pris des positions pour dire clairement que voilà yo prêt il a réduit dans développement armes nucléaires que ont gagné il a crasé base pour permettre que yo capable joindre un consensus et c'est une raison qui peut le faire que yo bail embargo ensemble avec régime qui a dirigé Corée du Nord. Mais surtout, le 24 mars qui s'est passé là, il y a plusieurs missiles balistiques intercontinentaux que Corée du Nord lui-même a essayé et des pavillons capables de dire cascade qui gagnait dans tir de missiles intercontinentaux, ça yo, des brio al tomber dans zone économique exclusive du Japon. L'en parler de ça, nous connaît un territoire, un pays non seulement par terre, mais lié par espace maritime, les eaux intérieures et zone économique exclusive et zone continentale, tout ça fait partie de surface ou de surface et superficie globale de yon pays. Donc ça que le Japon lui-même li constitué comme une attaque de guerre et la Corée du Sud lui-même automatiquement li fait tentative pour que lui-même li capable opposer et face avec tir balistique que Corée du Nord lui-même l'a fait et lui a demandé pour permettre que pour Corée du Nord capable camper dans tentative que il a essayé faire parce que stratégiquement Corée du Nord lui-même l'a lancé des missiles pour que lui non seulement capable effrayer pays qui dans région mais pour capable gagner un respect sur scène internationale là avec prétention que lui-même lui possède armes nucléaires et là nous connaît armes nucléaires là ils sont en armes à double tranchant qui ont utilisé pour capable persuader l'autre pays ou bien ça qui plus faible qui pas armes nucléaires capable ba ou respect pour capable défendre intérêt par ou dans cadre d'une négociation que ou a fait sous scène internationale là surtout si toutefois que ou opposé ou prêt pour dire voilà m'gay armes nucléaires m'ga utiliser n'importe qui moment c'est ça qui fait que yo pral respecter sous scène internationale là
surtout Corée du Nord l'utilise non moyen de non période très stratégique côté que gagne transition qui a essayé fait en Corée du Sud côté que nous gagnons transition qui a fait là côté que gagne président Moon Jae-in qui doit ces deux fauteuils là en mai qui a venu là ensemble avec un conservateur qui c'est Yoon Suk Yeol et qui élu dans mois qui s'est passé yo et qui promet clairement que lui-même lui a adopté une ligne plus dure face à provocation Corée du Nord et sous toute tentative pour te faire opposition par rapport à dernier tir intercontinental que Corée du Nord lui-même l'était lancé, yo même automatiquement yo té riposté tout, yo té lancé des missiles à coup de portée sur territoire par eux pour montrer que yo toujours à veiller Corée du Nord n'importe là yo t'a prévu à faire une tentative. Arme nucléaire, c'est pas un petit bagage jouet. Pour qui ça nous retourne sous question ça, c'est parce que n'importe qui utilisation, il y a catastrophique, même genre ça t'est passé au Japon, Hiroshima, Nagasaki, nous connaissons l'histoire, nous connaissons ça qui passé, n'importe les tavagues, yon escalade qui oppose entre deux pays qui fait recours à l'arme nucléaire, c'est à et yon catastrophe dans le monde là, a bien un pile monde qui a mouri, a bien un pile intérêt qui a gagné pour yo capable gagne gros problème par rapport à utilisation arme nucléaire non seulement pour gagne des impacts économiques mais perte de vie c'est ap énorme. Voilà, nous t'es content vinn présenter rubrique ça, nous surtout espérer que vraiment toujours gagne porte par la négociation pour capable sortir côté que l'ONU avec l'Occident tout acteur qui gagne sur scène internationale a toujours essayé garder comment on ca équilibrer question pour éviter conflit eux-mêmes exploser pour nous pas rentrer dans troisième guerre généralisée même genre que nous avons suivi situation évolution qui gagne en Ukraine et la Russie. C'était Makin Love qui était là ensemble avec nous. Bon rendez-vous une autre fois encore pour sortir rubrique là. Merci parce que nous t'es connecté avec nous. Mes amis, attendez ça. Ou c'est haïtien ou remet pays et puis on agit. Entre désespoir, de machination politique et les non-dits, mon éditorial vous dit tout. Émission Mon Éditorial, c'est espace analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui a dominé le pays d'Haïti. Mon Éditorial, sauf si lundi pour y faire vendredi, depuis fait 2 heures, monsieur Chanel Paula pour qu'il bien informé avec Yannick. Mon Éditorial, nous prenons la balle et pays, nous prenons le débat.